Salut! Salut Comment tout le ça monde, va? salut YouTube! Tu me fais flipper là. Ça va les gars? À toutes les unités, cambriolage signalé. Agent dans la Petit zone de check! Grammercy, intervenez. Oh, c'est gentil. Ah. Tu vas devoir me croire sur parole. Salut tout le monde, salut YouTube! Allez, Spider-Man, let's go, épisode 4. On se lance dans la mission principale. Ce bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Prendre une photo du bâtiment. Eh bien, c'est parti. On va se prendre comme ça, qu'on voie tout. Boum. Ça fera l'affaire. Ma carte a dû se recalibrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. Prenez une photo des monuments. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Dans toute la ville pour gagner des gens de monuments. Ok. Il y a pas mal de missions secondaires à faire. C'est plutôt bien. Bon, après, est-ce que c'est une mission qu'on va se faire à chaque fois? Je suis pas sûr, mais bon, au moins c'est pas mal. Wow! Visite touristique. C'est Monsieur Lee? Allô? Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt alors. Ok, j'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. Ok. Alors attendez, je regarde. On a des monuments à prendre, genre là. Ok. On a la mission, un anniversaire de la tante May. Ça peut être sympa. On va aller chercher le sac qui est ici. Comme ça, c'est fait là-bas. C'est parti. L'IA qui est intégrée à ma tenue peut m'indiquer la zone où se trouve la victime. Ok, alors attends, je vais juste choper le sac vite. Ok, let's go. Ah, ça a annulé le truc, non? Non, c'est juste là. Il y a beaucoup de bruit à New York. Mais mon masque peut isoler les sons étouffés. Par exemple, ce que ferait une victime baïonnée. C'est là-dedans, hein. Faites-moi sortir de là. Pousse. Du calme, je suis là. C'est hyper angoissant. Ça va, mon pote? C'est ces types-là. Attrapez-les. Ils sont où? Ouais, alors attendez, j'ai pas d'objectif, là. Ah, ils sont là. Ouf, le pied de biche. Ouais, toi. Tiens, dans ta gueule. Eh, hey, ils sont chauds quand même un peu. La femme avait raison sur les paris clandestins. Il sauvait la vie, Spider-Man. Merci, mon pote. Merci, merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci à tous. Il n'y aura pas de rappel. Tous les kidnappeurs sont inconscients. Salut, Monsieur Lee. Salut, Peter. Tout est prêt pour la fête. On attend victoire. Cool. Je me mets en route. Eh ben, allez. Let's go. L'anniversaire? On va chercher le gâteau, je suppose. À toutes les unités, des témoins signalent une agression. Intervenez immédiatement à Union Square. Bon, on se le fait vite fait. Des voleurs, il faut que j'intervienne. Qui veut une photo?
Spider-Man. Absolument, je vous à travers l'arbre. Déjà, décidément les braqueurs, plus que c'était. Ah, ils m'ont quand même bien fait mal, hein. Je suis pas chaud chaud là, en vrai. Bonjour, monsieur McGinn. Si c'est à propos du loyer. Monsieur Parker, cet appel est votre troisième et dernier avertissement. L'expulsion. Attendez, attendez. Je suis payé en fin de semaine. Je peux. L'expulsion débutera vendredi si vous ne procédez pas au paiement total avant la fin de la journée. Au revoir. Et bonne journée. Et merde. Je crois que je vais finir à la rue. Ah, je peux pas tout faire, les gars. Je peux pas, j'ai anniversaire. Eh ouais, monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Salut, Peter. Salut. Ça va, mon pote? Salut. Ah, Peter. Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu t'en bats, Mick. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Eh, hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes. Non, pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour j'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter. Tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi, c'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Peter. Que se passe-t-il? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années, tu m'as aidé dans mes études tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Il a l'air trop beau, le gâteau. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May m'a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Ah ben ouais, faut que je casse, faut que je me casse, désolé. Yuri, je devrais l'écouter dehors. Trop stylé. Un petit anniversaire, tranquille. Je pensais que ça allait partir en couille, hein. Vraiment. Message vocal de Yuri. Hé, alarme
arme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un œil ? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk ? Génial ! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. On va activer la tour avant. Elle est juste ici en plus. Voilà. Hop, merde. On est à côté, autant en profiter. Voilà, au moins c'est fait, c'est nickel là. Il y a un petit crime en bas, on verra plus tard. Moi ce qui m'intéresse c'est la mission, c'est celle qu'on a à faire. Mais un petit point de compétence, on n'a pas, non. Gadget, on peut pas améliorer. Ça c'est bloqué, ça est-ce qu'on peut l'améliorer un peu? Oui. Non on peut pas. Si on peut, on l'améliore, let's go. Voilà, une utilisation de gadget. Plus rapide, ça peut être cool. Une petite tenue, est-ce qu'on change la tenue? On peut se mettre celle-ci. Les ennemis en alerte n'appellent plus de renfort. Ah ouais. Bah écoutez, on va quand même le mettre. Comme ça, on change de tenue, ça peut être pas mal. Allez, go. Ok, on a un nouveau pouvoir du coup. Les ennemis en alerte n'appellent plus de renforts. Appuyez sur L3, R3 pour l'activer. Cool. Elle est pas très très belle, mais bon, au moins, ça change un peu. Les criminels et la drogue. Aussi inséparables que le beurre et la confiture. Je suis pas un grand fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les plus cruels. Ok. C'est toujours un plaisir de faire capoter une vente de drogue. Filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, ton mais. Après avoir perdu mes parents et oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si tu n'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je... Je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Trop mignon. Yori a dit discret. 10-31, cambriolage en cours. Ah bah t'es cool. À mission discret, c'est pas mal ça. Je suis habillé spécial discret. Ah, on va essayer de faire une tenue, chaque épisode une nouvelle tenue, ça peut être pas mal. Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une personne, elle a dû le prendre. Ces masques, qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Yori, l'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage.
On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. Ok. Le silence est d'or. C'est parti. Opération Ninja. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Maintenez L2 pour viser le sol. R1 pour utiliser un sol. Lancez une astrolata sur la surface des objets pour attirer les ennemis. Ok. Une élimination en hauteur. Oh! Ouf! Oh, trop stylé! Ah, ça j'adore! Oups! Je devrais le piéger d'en haut. Ok. Doucement, tranquille, tranquille. Sois sage maintenant. Voilà. Hop. Quelqu'un approche. Hop, ta gueule, toi. Ah, il est un peu débilos quand même des fois. Allez, vas-y, monte. Putain. Ma patience a des limites. Quelqu'un d'autre est là, je le jure. C'est sûrement elle. Elle est en train de prendre sa part, elle est littéralement. Dites-moi, où est-elle? Yenjing Zhen Dalian, Yao Kai Le. Je continue à surveiller. Ok, danger, danger, donc on les fait pas. Si vous attaquez un ennemi avec une icône en danger, vous serez repéré par les ennemis aux alentours. Ok. Appuyez sur L3 pour chercher une diversion. L2 pour viser l'objet. Ok, stylé. Tac, comme ça, toi. Appuyez sur le carré. Pour éliminer les ennemis sans danger. Sans danger. Ok. Ok, ok, ils apprennent un petit tuto tranquille. Toi, tu apprends ta part aussi, sans danger, ça dégage. Tu veux pas monter là? C'est quoi ça? Mais ça appartient à... Bouge pas! Et merde! Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, hey, Peter! MJ? Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaille... Je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle ? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi ? Je t'explique. Ok. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, Craig. Non, désolée, mais...
Je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop. Un truc sur la toile expressionniste. Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion? Je vous remercie. Craig, laisse tomber. Fausse alerte. Ah, elle est forte. Très bien, allons-y. Bien joué. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. Ok. D'accord. Katana, 14e siècle, Katana attribué à Mazda. Est-ce que Vert était en deux avec ça la première fois qu'ils se sont battus? Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Début de la carrière un peu trop intense de l'infirmière MJ. Je suis sûre que Fisk se voyait là-dedans. Un grand homme prêt à faire ce que nul autre ne ferait. Il est tellement mégalo. Je comprends les raisons Peter, mais j'ai jamais été fan des héros qui portent des masques. Je crois qu'être un héros, c'est aussi assumer ses actes. Dire oui, c'était moi. En tout cas, moi, c'est le genre de héros que je voudrais être. Simkari. On en a pas parlé aux infos? Parfois, j'ai l'impression que toute l'histoire du monde se résume à des hommes qui se déguisent et se battent. Wow. Cette image est incroyable. Il y a une telle tension entre ces deux silhouettes. J'avoue, elle est stylée. J'aime ça, non? C'est bon, j'ai fini. Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ah ben non, j'ai pas fini en fait. Gravure en bois du XIXe siècle, ok. Caché. Voilà l'ancêtre des journalistes d'investigation. Je l'aime bien. Maintenant, elle te prend l'appareil photo. Tu mets une photo de non? À côté là, nickel, ah, impeccable. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Tu veux te mettre à côté, c'est ça? Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nio sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui? Non. Non, bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à tes rituels. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, ouais. Je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Elle a touché une corde sensible. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez-la, je vous prie. Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire là. Craig, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet. Hop, ça se met bien. C'est la dernière fois, Goulwen. Les toilettes sont sur la gauche. Ça picole un peu, là. Vite. Bien sûr. Je me dépêche. Je suis à fond, là.
Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article. Oh, bordel. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement ? Lorsque les ennemis ont des soupçons, le symbole OK comme ça apparaît, ils commencent à fouiller la zone et le symbole signifie que vous êtes repéré. OK. Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors ? Vas-y, qui retourne-toi. Est dans ma salle d'enchères ? Oh mon Dieu. Ça passe pas là. Non, je doute que tu puisses régler ça. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Ok, ça passe. Oh, elle a pas l'air contente. Oui, c'est très clairement une menace. Oh là là. Bien ouais. Sûr, Craig. Elle m'a fait une feinte. Ok. C'est ça. J'attends notre pattern et je dis go. Je ne te crois pas. Feu. Peter m'a parlé de ça. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment? Examiner. La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Ok. Bouche fermée, bras gauche en avant. Peut-être que ces trucs bougent. Ok, bouche fermée, bras gauche en avant. Bon, on va la mettre comme ça, je pense. Et la paume fermée ? Celle-là alors. Ah, je peux déplacer ça là juste. Attendez quoi? Il tient quelque chose. Ah, il manque un truc. Je crois. Ok, d'accord, c'est moi qui fais ta merde. Le catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite peut-être qu'en tournant sa tête. Bien. Presque. Mais il manque quelque chose. Ah, il manque un bâton. Là. J'ai déjà vu ça. Ok, prendre. Ça ne va pas. C'est le Nio derrière eux. Sauf qu'il est différent. Il a la tête tournée là-bas. Est-ce que je peux modifier le bâton ? Attendez. C'est celui-ci, non ? Peut-être. Voilà ! Yes ! Oh la vache ! Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est ? Le souffle du diable. C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que... Oh bordel! Je suis dans la merde. Excusez-moi, monsieur! Non, vous ne pouvez pas! Ouf! Dans ta gueule! J'aime pas ça.
Où est la statue? Ici. Elle disait la vérité du coup. J'allais rejoindre la sortie quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. Il est vraiment dégueulasse ce costume. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon, ok, retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est attends. Bon de te revoir. Ouais, toi aussi. C'est bon, j'aime bien. Pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Mais j'ai un gun. Est-ce que... elle a changé de parfum? Oh, c'est pas le moment, Peter. Ah, alors ça, c'est pas mal, ça, par contre. Par contre, j'ai un gun. J'ai clairement un gun, là. J'ai le don. Oui. D'accord. Ok. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. Sans danger. Toi, tu vis ici. Non, attends, viens. Ici, là. Ouais, 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 si tu veux, ouais, rad. Tu vas faire un petit tour au plafond, ça va te faire du bien. C'est bon, Peter. Je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient que ces types veulent à ce point? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. Ouah, wow, je me suis foiré de... On va vous faire de sortir le dossier, toi. Attends-moi. T'es venu ici, toi. Ouf. Et voilà. Ok. Je dois rester discret. Ben ouais, mais... ouf, tiens dans ta gueule. Toi, tu vas pas être sans danger, je pense. Je vais t'attirer ici. T'es venu ici. Ok, sans danger. Viens faire un petit tour là-haut. Voilà, nickel. Oh, la salle est sûre. Non, tu veux pas aller voir là-bas si j'y suis? Tranquillement. Danger? Pourquoi t'es en danger toi? Ah, sans danger. Hop, viens faire un tour à côté de ton pote, ce sera bien. Nickel, on enchaîne. Il est où l'autre? Il est là. Lui, je peux l'accrocher de là ou pas? Wow. Fils qui avait une tonne de trucs. Non, j'allais forcément là. Voilà. C'était le dernier. Non! Lâche-moi! Angie! Arrêtez! Va chier! Cache-toi! C'est pas bien de prendre des otages, les gars! Ouah, c'est quoi son truc? Ouah, c'est quoi ce machin qui brille sur vos mains? Vous êtes des fantômes? J'ai jamais affronté fantômes, moi! Enfin, j'ai affronté des spectres! Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes! Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes! Vous le saviez? Ouais, on dirait que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantômes.
Tant pis. Je garde combattre un fantôme sur ma liste d'objectifs. Ah la vache, on a tous bien pris ta gueule. L'autre il tourne là-haut. Allez, il tourne. Ok, bon alors lui, il va faire mal, je pense. Regardez, il tourne. Ah mais il est resté. Le cardio, c'est fait. Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary-Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de alors, se passer. Que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je ne sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Depuis quand Mick est devenu italien? Aucune idée, mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleurs de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? Eh ben, en fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi? Rien d'extraordinaire, et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens, c'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Eh oui, c'est chaud à sortir Spider-Man, je pense. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Je vous ai toujours bien aimés, tous les deux.
Lui, il a rien compris, je crois. C'est sympa, hein, mais il a rien compris. C'est moi! Je viens de voir des unités sur la troisième! Oui, on dirait que ce bon vieux Hermann Schultz est de retour. Shocker? Il vient pas d'être libéré sur parole? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Hermann est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Ok! Après, bah écoutez! Tête à tête avec mon ex que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. C'est ça, exactement, t'as tout compris. Et écoutez YouTube, on va s'arrêter là. Et à bientôt pour l'épisode 5 de Spider-Man. Il est juste incroyable. Par contre, prochain épisode, on change de costume. Parce qu'il est dégueulasse celui-là. Ouais, démerdez-vous un peu. Alors, on s'arrête là. Je peux m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de moutons, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. C'est bon, je peux faire mon outro, les gars. Vous pouvez me laisser tranquille. Allez, on s'arrête là. Et à bientôt pour la suite de notre aventure incroyable de Spider-Man. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.